Parisien d'obtenir un coup franc remarquablement passé. Il est tenu par Lambourde. Et bien sûr, il ne peut pas jouer comme il l'entend Patrice Loco. Allez, un coup franc du côté parisien. Alors, les tireurs sont là, en force, avec Ngoti pour placer le ballon avec Rai. Leonardo ne s'est pas mis en position, donc c'est plutôt Ngoti qui va tirer en force. Et on sait qu'il est redoutable. Vaut mieux pas être dans le mur. Hein. Non. Ah, dans les buts, c'est pareil, c'est délicat toujours aussi avec Ngoti. Gilbert Bodard le sait bien. Le mur est à distance réglementaire. Ça va partir, tiens la boulette. Canon, et c'est dans le but. Et il ne faut pas être dans le mur, il ne faut pas être dans le but. Bruno Ngoti vient d'ouvrir la marque ici au Parc des Princes. 1-0 pour le PSG. Un ballon qui semble avoir été légèrement détourné par le mur. C'est toujours curieux quand le ballon à terre réussit à passer. On se demande comment. Mais on va certainement le revoir. Christian et Michel. Oui, juste pour vous dire qu'il y a un changement du côté bordelais puisque Patrick Colter souffre derrière la cuisse droite, il ne peut pas continuer et c'est Afanou qui va le remplacer. Oh, il était tellement heureux et content de disputer cette rencontre, Colter. On ne voit pas très bien qui a détourné, qui a touché.